Je ne veux pas de cette France de Sarkozy et du MEDEF, cette société d'injustice sociale, de remise en cause de tous les acquis du monde du travail, de division entre bons français et mauvais immigrés, de cette stigmatisation des banlieues, cette France à genoux devant Bush sur la scène internationale. Si Sarkozy est élu, ce sera dès lundi encore plus dur pour ceux qui ne vivent que de leur travail. Sarkozy, c'est le candidat de la mise en concurrence de tous contre tous. Sarkozy, c'est le candidat de la casse de la protection sociale et des services publics. C'est le candidat de la précarité et de la finance. Son seul mot d'ordre, c'est travailler plus, usez-vous plus et plus longtemps. Sarkozy, c'est l'homme des lois liberticides, le ministre des expulsions. Il restera dans l'histoire comme l'homme qui a banalisé ce que la droite républicaine avait toujours refusé depuis la libération. Il a banalisé les idées d'extrême droite. Il a étendu au plan national les passerelles entre la droite et l'extrême droite, établies depuis longtemps dans les Alpes-Maritimes de Metza à Péra. Son bilan dans ce domaine, après 5 ans de gouvernement Raffarin-Villepin-Sarkozy, 16 des 30 propositions de Le Pen sont appliquées tout en partie dans ses textes législatifs ou réglementaires. Son bilan, c'est qu'aujourd'hui, 26% des Français sont d'accord avec les idées de Le Pen. Ils ont recyclé et blanchi le plus nauséabond de l'extrême droite. Hier encore, avant-hier, ils s'adressaient aux électeurs du Front National. Excusez-moi. Alors, on compare avec 2002, sauf qu'en 2002, Le Pen n'avait aucune chance d'être élu, alors qu'aujourd'hui son clone risque d'être président. Oui, Sarkozy, c'est la France de la rupture dans ce cas meilleur. Cette France de solidarité, dans cette ville de Nice, nous savons ce que cela signifie depuis Garibaldi, parce qu'ici, de première, de deuxième, de troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. 20% des électeurs à ce jour peuvent encore changer d'avis. 29% des chômeurs peuvent encore changer d'avis. 30% des 18-24 ans n'ont pas arrêté leur choix. 20% des 25-34 ans se sont décidés le jour même du vote au premier tour. Allora, viva Nisa Rebella, il nous reste 48 heures pour battre Sarkozy. 48 heures, escalier par escalier, atelier par atelier, non seulement pour élire un président et faire le choix d'une société solidaire. C'est pourquoi, comme le disait Marie-Georges Buffet, dès 20h15, le 22 avril, j'appelle sans hésitation tous les communistes, toutes les femmes et hommes de gauche, tous les antilibéraux, tous les démocrates, à voter Ségolène Royal.